Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, c'est Xinferno et on se retrouve aujourd'hui. Alors, je m'excuse pour avoir mis autant de temps à faire ce let's play, mais j'étais en vacances avec Darkliner en fait, très loin d'ici. Et donc, enfin, j'ai pas eu le temps de faire les let's play. En plus, j'ai dû recommencer. Enfin, j'avais eu un problème avec la capture précédente, ça a ramé beaucoup parce que je l'avais fait quand il avait fait très chaud. Donc, je recommence là où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc je m'excuse encore une fois de sortir ce let's play plus d'un mois après le numéro 1, mais bon, au moins on l'a, ça c'est bien. Alors, on va reprendre donc où on s'en était arrêté. Donc on était sorti, on avait fini le site de fouille, hein, et donc voilà, on s'était arrêté là. PJ! Oh, vous êtes vivant. Rentrez vite pour tout raconter à Caroline. Hé, hey, là-dedans! Sortez! Vous êtes cernés! Ah, on a perdu notre ami. Je te vole tes munitions, ça te dérange pas? C'est bon. C'est bon aussi. Alors ça a pas l'air de laguer, dites-moi dans les commentaires si ça lague un peu trop ou pas, mais pour ma part ça a l'air d'aller. Sors de là toi. Bon. Ça c'est fait. Alors, est-ce que... Alors on avait récupéré le livre. Par là, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Une porte. Ok, qui êtes-vous, monsieur? Bonjour. Ça va bien? Oui. Ah! De l'or. C'est tout? Bon, je suis déçu. Aïe. Alors, tu par là, qu'est-ce qu'on a? On a un. Fermé par là. Par là, qu'est-ce qu'il y a par là? On va fouiller un petit peu, parce que bon, c'est toujours bien de fouiller. Pour savoir s'il y a le truc ou pas. Non, par là, c'est rien. Alors, attendez, je vais juste regarder 30 secondes. Un petit peu vite fait les options. En qualité vidéo. J'aimerais que ça rame moins quand même, hein. Je vais essayer de faire. Alors, est-ce que comme ça, le jeu est quand même toujours. Ouais, c'est bon, c'est pas trop dégueulasse. Ça ira quand même, je pense. Par ici! Eh, hey, comment ça? Quoi? Toi t'as rien eu toi? Ça va. Personne par là? J'en profite. Je vais chercher un truc. Alors. J'ai eu peur, je viens de vérifier, attendez, je revérifie, on sait jamais. C'est bon. J'ai eu peur pendant un moment de parler dans le vide. Dans le sens où ça me souvenait plus si j'avais activé ou pas mon micro. Non, c'est bon, il était activé. De l'or, c'est tout. Bah, c'est déjà ça. Hop. Allez, on retourne à la planque. Enfin, c'est vrai que ça rame un peu quand même, mais bon. Ah, un jour je vous proposerai un bon ordi, mais là sur l'iMac c'est pas top top. Bonjour. Il c'est comme paraît ça que que je vous rentre avez chez moi. Assuré sur le Hein? site des fouilles, Blaskovic. Ah oui, pareil.
Allô le gars. PJ, incroyable, vous êtes invincible. Nos meilleurs éclaireurs n'ont pas pu approcher du site des fouilles et vous y êtes arrivés. Moi. Vous avez si bien réussi que même Caroline est impressionnée. Elle ne vous le dira pas. Vous savez, elle est plutôt avare en compliments. Continuez comme ça. Blablabla, allez, je te laisse. Bonjour. C'est un miracle que vous soyez vivant. Vous avez fait sauter des choses intéressantes. Caroline, le groupe doit faire face à une forte résistance autour de l'église. Très bien. Blaskovitch, nous avons surveillé les nazis. Ils construisent une étrange machine dans une église abandonnée. Un groupe d'assaut opère sur place, mais ils auraient besoin d'aide. Mm-hmm. J'ai indiqué l'endroit sur votre carte. Soyez prudent. Nigo. Allons sauver les gentils à l'église. Y a pas de temps à perdre, Blaskovitch. Suivez-moi jusqu'à l'église. Ok. Tire de suppression! Vous êtes PJ Blaskovitch. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ah, mais quel con celui-là! Ah, dégage! Et voilà! Hein? Non, mais. Oh là là! Pas possible ça! Les PNJ seront toujours aussi nuls dans tous les jeux. Hein. Eh, c'est fini, oui! Comment ça je t'ai raté toi? Hop, voilà. Ah bon, je t'ai tué en te tirant dans jusqu'à l'église. Si tu veux. Oui, je te suis jusqu'à l'église. Bon, bah tu me suis jusqu'à l'église. Alors quand ça bug, hein, ça bug. Hein. Oh, Kochi. Ah, t'es là, toi? Alors, je suis comme ça, moi. Qui c'est qui est à l'étage? Bonjour. Y'a quelqu'un à l'étage? Ah, des renseignements. J'ai dit des renseignements. Voici le sort. Là, il y a le. Toi. J'arrive. Je vais te voir rapide. En avant, allez, m'ignore là. Aïe, aïe, grenade. Ah putain, je vais faire le souci. Et voilà. Quoi à terre? Ça va pas. Content de vous voir, BJ. Ils ont besoin de nous à l'église. Non, c'est bon, j'ai assez de trucs. Bon, on y va alors. Achetez ce qu'il vous faut au vendeur du marché noir. Et revenez me voir quand vous serez prêt.
Ah oui, c'est vrai. Besoin de quelque chose ? Non, non, mais c'est juste parce que sinon le PNJ va pas parler. Voilà. Il faut faire vite. L'église est assez loin. Ah, Nigo. Blaskovic, oui. Cette lumière dans le ciel, c'est l'œuvre des nazis. Okay. Allez à l'église pour intervenir, sinon ils vont raser toute la ville. Ok, j'y vais. Aïe. Ce bordel là. Bon, on n'aura pas si vite hein. Je suis sûr qu'il y a des trucs à récupérer. Tiens, hop, de l'or. Non, si c'est là d'où je viens. C'est à peu près tout je pense. T'as rien donné toi? Non. En avant tout le monde! Vers la porte! À la porte! Allez, venez! On y va? Boom. Mettez-vous à l'abri. Alors là, ouh, chargement, wow. Tout le monde en avant. Bien vu, les gars. Je veux un tir de suppression. Baissez-vous à terre. C'est bon, on va continuer. Alors juste, je sais que je suis pénible, je m'excuse, mais ça me convient pas toujours, c'est toujours un peu trop... Ça change que dalle, ça. Ah, le jeu est gros dégueulasse, là. Faut qu'on fasse vite. C'est vrai qu'il y a un gros méchant de l'eau là. Allez bouger. Avertissement. L'ennemi dirige ses tirs de mortier sur... Oui, sur l'église, blablabla. Alors ça, mes amis, c'est une arme que j'apprécie énormément et que je pense quand même que je kiffe à mort. Envoyez un gars du génie. La charge est armée.
Qui me tire dessus? J'y comprends que dalle. D'où il tire, lui, vous m'expliquez? Tire de suppression. Oui. En avant. Arrêtez-le. Grenade ennemie. On y va. Hop. Alors. Lequel mec, le canon particule, j'ai plus trop de munitions. Mais... Allez, on va courir. Carrément. Ah, oh, je peux passer. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah, mais je suis coincé, mais. À couvert ! Ça va, quoi ? T'as plus de munitions ? Je suis pris au piège ! Alors, ensuite. Par là, je suppose. Hop, un renseignement. Notre victoire est proche. Nos forces ont pris de flanc les mitrailleuses qui contrôlaient la rue principale. Ouais, blablabla. En avant ! Ok. Par là après je pense, oui. L'Américain est ici. C'est trop sympa. T'es. Ah, je l'ai démoli sa face. T'as l'air en forme. Nous sommes entrés dans les égouts et dans les catacombes sous l'église. Nous ignorons toujours à quoi sert la machine à l'intérieur, mais elle doit avoir un lien avec l'armement avancé des nazis. Il faut détruire cette machine. Ouais, ouais, d'accord. Pas de soucis. Vous êtes le seul survivant ? Où sont les autres ?
Bah, ils sont morts. Hein. Peu importe. Il faut qu'on entre dans cette église et qu'on détruise la machine des nazis. Venez, allons-y. Ah, c'est toi, j'attends maintenant. Vous êtes pas discret, les mecs. Paisiblement. Des munitions. C'est bon. Ah, j'ai très peur. Ah, j'ai tellement peur que je te. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Pas l'air en forme lui. Non. Ah. Il m'a fait vachement mal. Ah, c'est pas ironique. Bon, on a fini, c'est bon. Tranquille. Ça va. Pas les trucs à regarder ici. Rien par ici, rien par là. Bon ben. Il ne manque rien. Allons-y. Allons-y. Zou, zou, zou. J'ai aidé le cercle Kraizo à détruire une machine expérimentale installée par les nazis dans une vieille église. Elle devait apparemment servir à canaliser l'énergie du soleil noir. Il n'en reste plus qu'un tas de cendres fumantes.
Je dois continuer à chercher le général Zeta. C'est lui, la clé de toutes les opérations nazies, Eisenstadt. Malheureusement, je n'arrive toujours pas à voir à chaque fois les... tout, mais bon, ça va. On recommence. Non, bien sûr. Continuons. Donc, on a amélioré notre MP40, notre... je sais pas comment ça s'appelle. Bon, le fusil. On a amélioré une arme qu'on n'a pas encore. Pareil pour ça. Et on a amélioré notre médaillon. Donc, tant mieux. Allez, on continue. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez ? Tout. On va améliorer ça. Ah, bon, on devrait faire plus mal avec ça. Quand on débloquera le gros calibre, ce sera excellent. Je vous dis pas ce qui se passera, mais... enfin, c'est fun. Hop. Gros calibre ici, putain, c'est bien ça. Particules. Ah, ça c'est bien mal aussi. Hop. Hop, on va faire le plein. Alors vous vous rappelez de ce bug que je vous ai dit, regardez bien. Nous sommes déjà dans le négatif et dès que je recharge, pouf, hop. Si vous avez l'explication de ce phénomène très paranormal, dites-le dans les commentaires, ça m'intéresse. Si c'est juste un bug ou si c'est fait exprès. Et voilà, ouh, on a une magnifique lunette, ah, ça c'est fun ça. Ça va pas faire du mal à un petit... Explode, explode. Parfait. Merci. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu as accès à une nouvelle lunette. C'est vachement précis. Mais sur quoi il tire? Oh bah arrêtez de bouger là. À gauche. Alors où es-tu? Tu sais quoi, je reviendrai plus tard, je reviens te chercher tout à l'heure. Alors je vais juste aller regarder un truc là-bas. Je me demande si... des trucs par là-bas, donc je vais aller voir. On ne sait jamais. Ok. Et là, il n'y a rien. D'accord. Permet de tout fouiller, parce que comme ça au moins on est à jour voire en avance sur nos améliorations, c'est toujours fun ça. Bonjour agent Blaskovitch. Bonjour. Je suis très inquiet. Nous avons envoyé deux membres de l'autre. Bonjour, comment peux-tu être aussi imprudent? Bienvenue à l'autre. Donnez le cristal Narmsonneux à un Américain. Je comprends votre objection. Notre chef, mais d'après ce que je sais, Alexandrov, il est peut-être notre seul espoir de vaincre les nazis. Luttons contre ceux qui menacent l'équilibre naturel. Fais du mieux que tu pouvais pour quelqu'un de ton. Tu vas la fermer là-haut. Oh chut. La réputation du docteur Alexandrov en a souffert, mais pas à notre mission. C'est bon, t'as fini? On n'a rien écouté de ce qu'il disait ces deux-là. Agent Blaskovitch, bienvenue.
Grâce à votre intervention sur le site des fouilles, les nazis n'ont ni les cristaux, ni le médaillon Toul. Quant à la relique que vous avez découverte, on dirait une sorte de portail, mais j'ignore quelle est sa fonction. J'ai demandé à Pavel de regarder ça. Oh, il y a des cristaux volés en vente au marché noir. Vous pourriez les utiliser pour accroître le pouvoir du médaillon. Ok. Alors comme ça, vous êtes l'agent Blaskovitch. Je suis le docteur Leonid Alexandrov, fondateur de l'Aube d'Or. Le temps presse. Alors écoutez attentivement. Nous sommes venus à Eisenstadt parce que les nazis ont découvert les cristaux Nardzone. Ils manipulent des pouvoirs qu'ils ne comprennent pas. Vous avez refusé de nous remettre le médaillon Toul. Mais ne perdons pas de temps avec ça. Vous semblez être un combattant aguerri. C'est pourquoi je sollicite votre aide. Un groupe de nos compagnons est parti en mission de reconnaissance et n'a plus donné signe de vie. Mais un de nos agents a pu découvrir ce qui leur était arrivé. Retrouvez-les au nid du corbeau. J'ai indiqué l'emplacement de la taverne sur votre carte. Okay. Vous feriez mieux de filer, agent Blaskovitch. C'est ce que je fais. En fait, personne ne peut... Bonne chance, agent Blaskovitch. Merci. Allons-nous-en d'ici. Passons par là. Yep. J'étais allé voir là. Non, j'étais pas allé voir. C'est bien ce qui me semblait. Taverne. Où est-il? Où est-il? Quel est le salopard qui a osé toucher un soldat nazi? La mission en danger. Désolé si j'ai bougé mon micro, mais je devais bouger mon micro. Je porte un toast à Hans, le meilleur soldat nazi. Ja, à Hans. Ok. Bon, on va aller se faire la ferme. On va y aller. On a encore le temps, hein, tranquille. Hey, venez par ici. Non, là, tu me fais peur, là, dans un coin. Allez, j'y vais. Agent Blaskovitch, on a besoin de vous pour une mission importante. Il y a quelques jours, nous avons envoyé deux membres de l'Aube d'Or enquêter sur d'étranges rumeurs dans une ferme voisine. Ce matin, un seul est revenu, gravement blessé. Il est mort avant de pouvoir parler, mais il tenait un cristal comme ceux que vous possédez. Mais le sien est de moins bonne qualité. Nous ne sommes pas des soldats. Est-ce que vous pourriez aller à la ferme et voir ce qui est arrivé à l'autre membre de l'Aube d'Or? Ok, ok, pas de problème. J'y vais. Mmh.
touchez plus jamais. Qu'est-ce que vous faites? Circulez ou vous le regretterez. Je vais m'en vais. Ça va toi? Pas trop chaud? Ah oui, c'est beau quand même. Si tu déprimes? Ah oui. Et on s'en va. Oui, du monde. C'est bon. Cheaté quand même ça. Youhou. 30 secondes, je vois, je crois qu'il y a un livre là-bas. Pas sûr de ce que je dis. Ah voilà. Allez. Guten Tag, Blaskovic. Montez derrière. Ok. Les nazis sont dans une ferme, plus loin, sur la route. Bonne chance, BJ. Merci. Ils ne veulent pas qu'on sache quoi. Là-bas, il est mort. Alors, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur? Il n'y a pas l'air. Peut-être. Non, pas vrai, l'ennemi. A explosé avec toi. Je fais de la prévention. Continuez, vous arrêtez pas. Il y avait du monde hein, là-dedans. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait dedans. Non, je plaisante. Enfin, je sais pas. Pas inutile. À gauche. Je t'ai
Je vais mourir. Ah c'est bon, je suis pas mort. Vraiment, je vous êtes mort. Aïe. J'ai bobo, c'est bobo là. D'où tu me tires dessus? Et toi aussi là. Allez, on continue. Moi je fais chier, on me tient dessus. L'enseignement, on le lira plus tard. On le lira pas. Putain, il y en avait des soins dans cette maison. J'ai faim, moi. Qui est bon, hein. C'est bon, oui, c'est bon, j'espère, c'est bon. Je veux trop envie. Hop, et voilà, je suis caché. Ah ouais. Il n'y a pas des trucs ici, quelque part. Toujours fouillé, toujours tout fouillé. Yup. Ah, what? Ah, j'ai attendu trop longtemps. J'ai fait la pause à la gueule. Oui. Sérieux. Bon ben, epic fail. Pauvre chambre. Ça ressemblait déjà à rien, ben voilà. Oh, c'est moi qui tape.
couvert. Allô, ensuite. Ça c'est à plat. Putain, il y avait du monde. Il y a par ici. Continuons. Laissez-vous. Oh putain. Ah, ça c'est beau ça. Ah oui, ça c'est beau. Je rappelle qu'à la base on était dans une ferme. Voilà, ça c'est une ferme. Oh, 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 oh. Ça suffit. Aïe. Ah, je suis vraiment nul dans cette zone là. Ça c'est fait. Allez, on descend. Je ne sais pas où, mais nous descendons. Nous sommes dans les grottes. Porte qui fait un truc chelou là. Et je l'ai eu. Eh, hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, au vol, celui-là, même pas fait exprès. Allez, go, go, go!
Ok, c'est bon, c'est bon. La zone est nettoyée. Ah voilà. Non, t'es pas tombé. À vue. Oh, d'abord, je laisse tout fouiller, mec. Eh, dégage de là, toi. C'est mon plan de travail. Nos premières expériences sont prometteuses, mais nous réalisons qu'il sera très difficile de créer artificiellement des cristaux Nartzone. Leur taux de croissance accéléré affecte souvent leur structure réticulaire, et nous obtenons un fort pourcentage de cristaux inutiles. Toutefois, nous avons surmonté cette difficulté pour vous. En cultivant un plus grand nombre de cristaux. Ok. On va le libérer maintenant, le pauvre monsieur. Alerte ! Un résistant s'est introduit dans le centre. Trouvez-le immédiatement ! Vite ! Détachez-moi ! Je peux désactiver le bouclier. Eh non. Eh oui, je te libère. Ah non. Allez hop. Oh. C'est vous, agent Blaskovitch. Les nazis utilisent un cristal Nartzone au fond de cette grotte. Vous devez impérativement le récupérer. Pendant ce temps, je vais tâcher de trouver un moyen de fuir. Cette porte est protégée. Vous ne pourrez pas passer si le générateur n'est pas désactivé. Trouvez-le immédiatement. Ouh, qu'est-ce que vous attendez, BJ? Allez chercher le cristal Nartzone. Tranquille, mec, tranquille. Tire de suppression. L'or m'appelle. Un espion a été signalé. Tous les points de contrôle en alerte. Alors, par où? Par là, par là, par là. J'ai envie d'essayer.
après. C'est nul. Ah, c'est dangereux comme arme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît que la semaine dernière, une créature s'est libérée et a massacré toute une escouade. Ya, c'était pas joli joli. Ne t'inquiète pas, les dresseurs savent les mater. Mais c'est vrai que... Pitié! Non! Pitié, ne me fais pas de mal! Je suis sadique. Oh ça, sale chercheur, tiens. Ensuite...
Ces tonneaux nous serviront plus tard. C'est pour ça que je les ai pas utilisés maintenant. Besoin d'elle pour renifler. Pitié, ne tirez pas! Pitié, ne me faites pas de mal! Pas de pitié. Je vais donc passer par là. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, donc tant pis si c'est long quoi. Tant pis, si ça vous fait pas peur, une heure. Moi je suis chaud aujourd'hui donc. Voilà. Ce serait bête de couper en panne action là quand même. C'est la partie du jeu que je n'aime pas parce que ces bestioles me donnent des frissons. Ces fameuses bestioles de qu'on entend parler de partout là me donnent des frissons. Ah, j'ai oublié. C'est pas trop loin ça. C'est bon. Ah, ah non, ça marche pas. Ok. Cool. Alors je me souviens plus par où on passe. Ça va.
mais j'ai pas le temps. Je suis en train de courir, moi. Ici. Tout le personnel doit évacuer immédiatement le centre. Allez, vite, 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 plus vite, plus vite, qu'est-ce que... gagner la confiance de l'Aube d'Or, j'ai accepté de fouiller une ferme près de laquelle un de leurs agents a disparu. J'y ai découvert une base souterraine où les nazis tentaient de cultiver des cristaux nardzoneux. J'ai réussi à sauver l'agent de l'Aube d'Or et j'ai fait en sorte que la base ne puisse plus jamais servir. Les nazis investissent énormément de ressources dans leur recherche sur le soleil noir. Mais dans quel but ? Donc voilà, nous avons fini. Alors, ouf, on a manqué deux livres. J'ai manqué deux livres là. Wow, là, là. Deux livres, ça, c'était beaucoup quand même. Peut-être que je referai la mission si j'ai le temps pour avoir les livres. Bon, on a tous les renseignements, pas tout l'heure, mais ça va quoi, ça sera bien. Donc voilà, bah, écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai fait 50 minutes, une heure. Je n'ai aucune idée de combien j'ai fait, mais voilà. Ben, je suis content d'avoir repris parce qu'effectivement, bon, ben, c'est bientôt la rentrée. Vous inquiétez pas, de toute façon, la rentrée ou pas rentrée, bac ou pas bac, ben, je ferai les vidéos quand même. Et donc voilà, si jamais ça vous a plu, ben, à la limite, un petit pouce vert, fait toujours plaisir. Commentez votre silence si vous avez des suggestions ou notamment sur ce fameux bug au marché noir si vous en savez plus que moi. Et tout simplement partagez cette vidéo si vous avez aimé. Voilà, allez, ciao tout le monde.